qu'il faut pas mettre parce qu'on a vu sur tel ou on a vu sur tel star. Ne pas suivre la mode bêtement. Ouais. Bonjour Douglas. Bonjour Lévi. Et si t'étais une chaussure? Je dirais ce qui cartonne en ce moment, le boutin. Style by me, on récompense le look. Sinon déjà à première vue, c'est très très beau, c'est bien, c'est vraiment très très beau look. Ouais. Jean-Marc Chauve, directeur de mode. Ça m'intéressait beaucoup de transmettre ce que j'aimais dans la mode. L'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui nous vient d'autre part. On va s'en rendre compte. C'est un rêve de petite fille et depuis que je suis toute petite, j'ai voulu être styliste et voilà, aujourd'hui je réalise mon rêve. On découvre le zoom sur les tendances. Chef fashionista zoom cette semaine sur la pochette et Mélodia du soir. Pas de soirée sans pochette. Si tu étais un instrument de musique, quel instrument serais-tu? Une guitare. Pourquoi une guitare? Parce que je sais en jouer. Et pour finir, je me suis trouvé dans la monarchie devant les costumes. Et un créateur m'a récupéré. Il a sorti ma situation administrative qui n'était pas encore réglée. Avec Style by Me, la mode c'est moi, la mode c'est toi, la mode c'est nous. Et tu me manques, manques sans dehors. T'imaginer devoir faire ma vie sans toi. La spécialiste en cheveux Muriel Kabil a décidé de donner toute une autre orientation. Et au jour d'aujourd'hui, je suis une artiste, donc j'ai combiné les deux corps de métier et j'en fais des créations. Et tu penses qu'elle pourrait peut-être gagner le concours de ce mois? C'est possible parce que c'est moi. Moi, j'ai toujours mélangé les matières. J'ai toujours mélangé les matières imprimées sur des formes modernes. J'ai toujours mélangé les matières africaines avec d'autres matières. D'accord. En fait, je pense que dans toutes les familles, dans chaque histoire, dans chaque famille africaine, il y a. On aime la mode. Non. Et si tu étais un plat exotique? Alors, c'est un riz nature, un riz blanc. Purée d'haricots